Comment ça va la famille? Ça vous a fait quoi d'avoir une petite pause dans les vlogs? Est-ce que ça vous a manqué? Voilà. Non, petite pause, c'est pas une pause, c'est surtout que cette journée de... Alors nous sommes mercredi aujourd'hui, cette journée de mardi n'était pas non plus de malade. Déjà parce qu'on était très fatigué, j'ai fait des trucs voilà, qui m'ont assez saoulé. Voilà, la vraie life. Donc je me suis dit pourquoi vlogger des trucs qui m'ont saoulé, donc pour vous donner du négatif sur le coup. Donc voilà, donc finalement j'ai lâché l'affaire. Bref, ce matin nous sommes mercredi, c'est la journée des enfants, les enfants n'ont pas école. Donc hier il y a eu la grève en plus, j'étais à la pause, je ne m'en rappelais même plus. Voilà, j'étais à la pause, c'était la grève. Les enfants n'ont pas eu école, plein de choses en fait, c'est hier qu'on pas tourné, on va dire comme une routine de vlog normale, donc j'ai lâché l'affaire. Aujourd'hui, donc, j'ai des commandes à finir. Faut que, voilà, que je les fasse, que j'aille à la poste. Faudrait que je range mon atelier, parce que mon atelier est un bordel sans nom. En fait, à chaque fois que, voilà, que je fais une page ou que je fais un truc comme ça, j'en fous partout. Et en fait, il fait assez frais dans mon atelier, comme vous pouvez le savoir. Donc, en gros, les trois quarts du temps, hop, je vais juste faire ça. Qu'on soit un peu plus à hauteur. Les trois quarts du temps, je finis ma page, je rentre, je fais même la photo, je la fais même pas tout de suite, je la fais après. Bah ouais, mais en fait, ça c'est nul parce que en gros, il y a de la lumière qui me voilà. Et donc, je rentre vite fait, je rentre très vite et voilà. Bref, donc ce matin, je vais enchaîner sur la fin de mes commandes. Je vais aller à la poste. Je viens de le dire, mais je préfère le répéter. Pour vous dire comme quoi ça se trouve ce matin il n'y aura pas beaucoup de filmage et déjà voilà pour ce matin et après on voit ce qui se passe. Un petit peu rangé mon atelier, j'ai surtout quand même pas mal bossé, il est quasiment midi quasiment. Heureusement Corinne est là ce midi pour pouvoir faire à manger. Je crois que c'est des pâtes, je crois qu'elle a fait des pâtes avec de la viande hachée, bref. Et j'aimerais aussi, parce qu'en fait ce matin j'ai été à la poche, j'en ai eu encore quasiment pour un bras. Et mon postier est tellement cool qu'il m'a donné un stylo la poste. Ça se voit pas. Voilà, bref. Il m'a donné un petit stylo La Poste pour le. Genre pour la clientèle. J'ai dit, je fais, ouais, mais non, faut pas faire juste un stylo. Moi, il me faut une carte de fidélité. Genre en mode, tu envoies 10 commandes ou tu envoies 10 lettres. T'as la 5e, le 5e envoie offert. Non, bah, non t'envoies 10 lettres, t'as le 11e. Comme une carte de fidélité, quoi. Il m'a dit, ouais, c'est pas con. Et on fait ça, mais sur les chronopostes, sur les colis Simo, je sais pas quoi. Mais les colis Simo qui valent 25 euros unité, donc ça fait 250 euros si t'en prends 10. Donc, et comme j'ai dit, je fais, hey, franchement, sur 250 euros, ils peuvent faire l'effort de claquer, de lâcher 25 euros comme ça. Bref, donc voilà, je vais vous quitter pour le moment. Ouais, j'ai juste fait un petit compte-rendu de la poste parce que cet après-midi, bah là, je vais aller bientôt manger. Je vais aller voir si Corinne a fini et je vais bientôt faire à manger. Ouais, je vais pas vous filmer à manger. Ouais. C'est inutile, c'est des pâtes. C'est des pâtes avec de la viande. Je l'ai déjà filmé 20 000 fois, ça.
Donc ça sert à rien de le filmer. Et après cet après-midi, je vais un peu soit me poser, soit faire du travail ordinateur, donc c'est-à-dire soit faire du pochoir personnalisé, soit me poser sur l'ordinateur, voilà, tout simplement, regarder une série ou un truc comme ça. Bref, et je vous retrouve sûrement vers le moment de partir à la salle de sport, parce que ce soir c'est salle de sport. J'espère que vous êtes toujours motivés à faire du sport pour ceux et celles qui y étaient mis. Nous on est toujours motivés, même si parfois la flemme y est. La flemme y est, mais on y va quand même. Bref, allez, on se retrouve tout à l'heure. Que demander de plus? On veut de la neige! Non, plus sérieusement, on se retrouve dans la voiture, on part pour déjà déposer Stéonig et pour aller à la salle de sport. Il est 16h51 exactement et c'est abusé, il fait quand même 18 degrés à 16h51. Oui, je sais, c'est hallucinant quoi. Dites-le moi, c'est hallucinant. Il annonce des températures négatives. Ouais, mais là pour aujourd'hui, je suis sorti en pull et il fait une chaleur, il fait un temps de printemps quoi. Il fait un temps de printemps. Bref. Alors, cet après-midi, j'ai quand même bossé un petit peu sur un pochoir personnalisé que je vous en avais parlé ce matin. Bon, c'est, je sais pas pourquoi, j'arrive à peiner dessus, mais je vais le faire. Hein. Je suis en train de le faire. Sinon aussi un truc qu'on n'arrivait pas à faire depuis un petit moment. Alors il parle Stéoni parce qu'en fait il nous regarde tous les matins. Donc il doit se dire, attends, moi aussi je veux être dans la vidéo, comme ça au moins je me verrai, je m'entendrai dans la vidéo. Et on a réussi un petit truc aujourd'hui, on a enfin réussi à connecter le téléphone de Pokémon Go à la Switch pour avoir une boîte mystère. Ouais, je sais. Oui, je me demandais de quoi. Ouais, mais c'était quoi cette annonce de ouf? Et bah ouais, c'était ça. C'était d'avoir la boîte mystère de Pokémon Go. D'avoir de plein de Meltan. Et on a réussi à le faire. Ça fait plus d'un mois qu'on a le jeu. Non, un mois qu'on a le jeu. Bah non, c'était pour l'anniversaire d'Adam. Donc à peu près ça, un mois. Et en fait, on n'arrivait pas du tout à connecter. Et en fait, pour ceux et celles, je vais expliquer un peu, pour ceux et celles qui veulent essayer et qui n'y arrivent pas, en fait, il faut éteindre entièrement la console, la Switch. Il ne faut pas juste la mettre en veille, il faut l'éteindre entièrement. Donc, c'est-à-dire appuyer sur le bouton éteindre et rester appuyé jusqu'à qu'elle s'éteigne. Il faut la rallumer. Ensuite, il faut aller dans les paramètres, il faut connecter. Et ça se connecte automatiquement. Si vous avez un bug de transfert de Pokémon, c'est-à-dire de Pokémon Go à truc, il faut éteindre le téléphone, relancer le jeu. Et là, normalement, techniquement, ça devrait fonctionner. Nous, on l'a fait, on a peiné à comprendre qu'il fallait éteindre tous les téléphones, enlever tous les trucs Bluetooth, bref. C'était une sacrée misère, mais maintenant qu'on a réussi, on est plutôt content. Voilà. Il y a trop de soleil. Taki taki. Taki taki. Taki taki rumba. Sinon, on retrouve notre fille ce soir. T'as vu le nombre de voitures qu'il y avait devant le... Oui, il est à 17h. Je vais lui envoyer un texto pour... Non, pour voir sur mon téléphone... Attends, il est pas 17h, il est 16h54. Ouais. Donc voilà, et non, on retrouve normalement notre fille ce soir, mais ouais, je trouve qu'il y a énormément de voitures là, sur le parking. Je pense pas que Il y a la deuxième vague qui est partie cet après-midi. Ah ouais, ouais. Et pourquoi il y a autant de voitures? Je sais pas. Bref, on va à la salle de sport, on va transpirer, on se retrouve après. Ouais, on va éviter, on va pas en faire énormément aujourd'hui. On va faire une petite session parce que, comme je vous ai dit, en fait, on a le contre-coup de la fatigue qui arrive là. Moi, mon genou à droit. La maladie. Ouais, elle était malade, elle avait un chouïa le nez qui morphe, quoi. Voilà. Ouais, et moi, j'ai un genou et le dos qui commence à me faire sentir, de dire, ouais, calme-toi. C'est cool que tu veux perdre du poids, c'est cool, mais déjà, donne-moi à manger.
Donne-moi du sucre. Ouais, c'est le sucre. Et voilà, et le genou là, je commence à sentir la force de courir tous les trois fois par jour. On va dire par jour, forcément. Par semaine. On va dire la semaine de. Plus de la marche que je fais à côté. Ça va faire du bien de. Entre ouais. Guillemets. C'est vrai. Bref. Ouais, allez, 2 jours là, je suis en vacances. 2 jours et on est en vacances. Ouais, ça va pas être des vacances reposantes, mais bon, ça va faire du bien. Et en plus, bon, en je plus. Ferme ma bouche. Vous verrez, il y aura quelqu'un dans les vlogs de Disney. Il y aura quelqu'un. Il y aura pas qu'une personne, ils seront deux. Hein. Ah, un couple. Ah. Avec un accent. Qui parle belge. Ah mince, j'ai spoil là. J'ai spoil. Oh, tout le monde les connaît pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah beaucoup de nos abonnés les connaissent quand même. Et peut-être. Ah, plus une que. Oui, voilà, plus ouais. Bref, on verra parce que ça se trouve, je vais m'avancer, ça se trouve, on verra personne. Bah si, le couple on les verra automatiquement. Ils t'ont dit qu'ils venaient. Donc voilà, mais après les autres qu'on est censé voir, on n'est pas sûr de les voir. Donc, C'est pas grave, on se fout. Bref. On est rentré. Ouais. Bam, les gens, j'espère que vous allez bien. On fait de la muscu. Non, je déconne. Enfin, ah si, on a fait de la muscu. Ouais, moi pas beaucoup parce que je me suis fait mal. Assez fait mal et moi je me suis fait mal au genou. Ok. Ok le chat. Je me suis fait mal un peu au genou en fait, à l'échauffement. Mais bon, ça a fait quand même une bonne grosse transpiration, oui, je trouve. Voilà. On va manger. Corinne, elle a fait des. J'ai fait une quiche au jambon et une quiche au saumon. Bah, en fait, elle les a fait à l'origine, elle les a fait hier. Mais je sais pas pourquoi, il y avait une personne qui arrivait dans la maison et qui a fait je veux manger des hamburgers. Oui, encore. Encore. Donc finalement j'ai mangé des hamburgers. Bah on a fait des hamburgers, j'ai fait même des hamburgers. Oui, hamburgers frites. En même temps, hier à 6h j'étais couché. Et en fait ouais, elle a été malade hier, mais cassée. Et donc elle a fait une quiche normale et une quiche au saumon. Ouais. Voilà. Et là on va bientôt. Bah on va manger parce que je pense que c'est chaud. Ouais, et après on va aller chercher notre fille. Voilà, on va manger, on va se doucher et on va aller chercher notre fille. Ou ouais. Tu veux te doucher après Bah ça dépend où elle en est, si elle est pas trop loin, Je pense qu'on filmera un peu quand le retour de Yael. Ouais, ses impressions. Bah déjà hier on lui a au téléphone. Bah son père, parce que moi à chaque fois que je au téléphone ça passe pas, avec son père ça passe, c'est bizarre, enfin bref. C'est hier, elle disait j'ai mal partout, j'ai les moniteurs gueule, parce que je tombe. Elle a pas dit des cons, elle a dit ils sont chiants. Ils sont, oui. Elle a dit les moniteurs ils sont chiants, dès que tu tombes ils t'engueulent. Bah ouais, c'est la première fois qu'elle fait du ski donc c'est normal. Donc on verra ça ce soir quand bah, à mon avis elle va être morte. J'espère qu'elle va pas avoir pris trop de coups de soleil avec les lunettes parce que la marque voilà quoi. Et c'est surtout qu'elle a l'école demain, c'est ça le pire. Elle a de toute façon, si elle est trop fatiguée demain, c'est pas grave, il n'y aura que l'après-midi. Et puis voilà, je veux dire, faut se mettre à leur place. Les pauvres gamins, ils viennent se taper 3 jours. Bon, certes, c'est le ski, on va pas les plaindre, mais bon, ça reste quand même fatigant. Ah ouais, c'est clair. Bon, après, vendredi à midi, bah à 1h parce qu'ils mangent à la cantine, 1h, ils vont aller chercher, ils sont en vacances pour une semaine, ils reprennent une semaine et ils sont encore en vacances 2 semaines. Hein, bah, à l'origine, ils sont pas en vacances, mais. Oui, mais. Oui. En fait, ça fait des marques avec la lumière. Excuse-moi, avec de la lumière, ça nous marque les yeux quand on est là. Et ça fait genre, on est méchant. Non, on n'est pas méchant. On est un peu fatigué, mais bon, après, c'est pas grave ça. C'est le. Bref, on va manger parce que j'ai trop faim. Et on se retrouve dans la soirée. J'ai retrouvé ma fille. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. C'est tout? Oui. C'était bien? Oui. T'as mal partout? Oui. Tu sais dire que oui? Oui. Tu veux pas être plus explicite? Bah je dis quoi moi? Bah je sais pas, tu viens de me dire que t'étais contente. Bah oui, je suis contente. Ok. Oh là là, la fille explicite quoi. Je filmerai quand elle racontera l'histoire à Corinne, comme ça au moins on aura un peu plus d'histoire. Je sais pas, moi j'ai eu le droit à de la piste verte, piste chevreuil, tout ça. Mais la caméra veut rien dire. Ça fait quoi de prendre son indépendance pendant 3 jours? C'est bien. Quoi? Frapper les enfants sur YouTube, c'est pas bien. Tirer les cheveux, c'est bon. Donc c'est bien. Donc vas-y, tu veux prendre un appart? Non. Non? On t'a manqué au moins? Oui. Son maman, il a manqué, nous, on s'en balise. Ouais, parce que du coup, on a refait tout. Bah au moins, il y a manqué. Oui. Ça y est, on est de retour parents de 4 enfants. Ouais.
Voilà. Non, je rigole. Non, je suis contente d'aller rentrer sain et sauf. C'est pas déjà. Bon, elle m'a dit quand même qu'elle avait été bloquée 3 minutes hier sur le téléski. Sur le télésiège. Ouais, bon, après, c'est ou ce matin. Parce qu'on a vu qu'en fait, donc elle était aux angles et il y a Font-Romeu qui est juste derrière hier ou juste en dessous, bref. Ouais, je sais plus. Et on a vu dans les infos qu'à Font-Romeu, il y a des skieurs qui ont été bloqués 4 heures, je crois, ou 3. 4 ou 8 heures. Non, je crois. Non, non, non. T'as pris le télésiège aussi. T'as pris le télésiège ? Ouais. T'as aussi le terre-fesse ? Ouais. Elle est tombée la première. Elle est tombée quand même. Ça m'avait fait pareil quand elle est en train de manger parce qu'en gros, en fait, ils ont même pas nourri. Ouais, ils sont partis à 17h de là-bas. Le temps de rentrer, bah, ils ont même pas fait manger. Là, la pauvre va manger, à faire la douche et le dodo. Voilà. Bref, ma vidéo est en train de. Je suis en train de la monter. Ouais. J'ai commencé à la. Non, parce que je vois que l'écran. Arrête, si tu le casses. J'ai commencé à la monter avant d'aller chercher Yael. Voilà, bref, on va se quitter là, maintenant, tout de suite. Il faut que je monte ma vidéo vite, 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 vite. On va faire dodo, vite. Voilà, après tout le monde va au lit. Allez, 2 jours et c'est les vacances. Et voilà. Et 2 jours et c'est les vacances. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, c'est quoi? Tu fais plus de faim, toi. Oh, laisse-la, mon bébé. Regarde ses ailes, là. Elle boude. Mais de toute façon, elle boude pour rien. Prout. Voilà, à bout. Tu lui dis prout, elle est à bout. Elle est jolie. Elle a pas le seul... l'essence, hein. Vous savez quoi, on est rentré de la salle de sport, elle dormait. Corinne a fait, ouais, elle essaie de la réveiller, elle y arrive pas. J'essaye, j'y arrive pas. Elle fait, ouais, aide-moi à la réveiller. Et je dis Burger King, je vous jure c'est vrai, je dis Burger King, elle a fait l'œil comme ça. En même temps, nous on n'en mange pas, donc les enfants n'en mangent pas. Et en fait, je vous jure, son œil elle a fait. Combien de temps qu'on n'a pas mangé? 2 mois. Ouais. Ouais, 2 mois. Tu veux un Burger King? À bout. Bref, allez. N'oublie pas, petit pouce bleu, tchou. Petit commentaire. Tchou. 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 Allez, tchou. Allez, tchou. 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 C'est pour toutes les fois où j'ai oublié de l'année dernière, tous les tchous de l'année dernière. Tchou, 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 tchou.